Presto! Bonjour, dans ce numéro de Presto, une valse pour piano de Frédéric Chopin, écrite au milieu du 19e siècle en pleine période romantique. Cette valse est appelée parfois la valse minute à cause de sa brièveté, mais Chopin l'avait appelée la valse du petit chien, comme si la musique cherchait à décrire le tournoiement d'un chien qui essaie de se mordre la queue. Observez bien, la main gauche scande le rythme à trois temps caractéristique de la valse, et une valse, ça tourne, pendant qu'à la main droite se déploie une brillante et séduisante guirlande mélodique virtuose. En fait, tout concourt dans cette musique à donner cette impression d'ivresse et de tournis. Cette valse du petit chien qu'interprète Chani Di Luca était sans doute une des valses préférées de Chopin, puisqu'il la joua un an avant sa mort pour son dernier concert à Paris. Pour Presto et pour notre plaisir, Chani Di Luca nous interprète une autre valse, une valse posthume de Frédéric Chopin.